Marie-Sophie Lacaro surprend avec une robe ultra et colorée face à Rachida Dati. La nouvelle édition du prix de la femme d'influence, créée par Patricia Chaplotte, présidente du Cercle des femmes d'influence, a eu lieu ce lundi 21 novembre 2022 au Palais Brongniart à Paris. L'ancienne ministre de la Justice Rachida Dati a eu le plaisir de remettre la première récompense. Le prix politique. Il est revenu à Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances au sein du gouvernement Elisabeth Borne. Née en Iran, l'écrivaine et chroniqueuse Abnous Chalmani est la lauréate du prix de la femme d'influence culturelle. Exilée à Paris à la suite de la révolution islamique de 1985, elle a publié plusieurs ouvrages dont Khomeini, Sad et moi, en 2014. La fondatrice et directrice générale de l'association 20 ans. Un projet, Bénédicte Wolfram, a reçu le prix de la femme d'influence coup de cœur. Tandis que Tara Euzé-Sarmini est la lauréate du prix de la femme d'influence espoir. Elle qui s'est interrogée sur le sujet de la précarité menstruelle. Enfin, la scientifique Alina Raskin, cofondatrice et directrice générale du Centre européen de biomimétisme, CEBIO, a reçu le prix de la section économique. Ce sont donc des femmes engagées qui ont été honorées ce lundi devant de nombreuses personnalités, parmi lesquelles différentes générations de femmes de pouvoir, Edith Cresson, la première femme à la tête du gouvernement en France, Michèle Alliot-Marie qui a été en charge des affaires étrangères et européennes, ainsi que Marlène Schiappa, actuellement secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Avec sa robe originale aux couleurs fluo, la journaliste et présentatrice du 13h Marie-Sophie Lacaro n'est pas passée inaperçue. Radieuse comme à son habitude, la figure de la télévision a tourné la page de ses graves problèmes ophtalmologiques qui l'avaient obligée à plusieurs mois de convalescence.